Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Aujourd'hui les amis, je vous invite à découvrir une espèce extraordinaire. Elle est immense cette espèce. Vous savez ce que c'est? Ce sont des otaries de Steller. Oh, comme otaries de Steller, vous êtes partis? On y va! Également appelée lion de mer, l'otarie de Steller est la plus grande des espèces d'otaries au monde. Elle possède un corps massif et fusiforme, un buste large et un cou boursouflé présentant une crinière de poils drus. Ses mâchoires sont suffisamment puissantes pour broyer ses proies. Longues et larges, ses nageoires pectorales lui permettent de se diriger sous l'eau, mais aussi de se déplacer avec une relative aisance sur la terre ferme. Allons vite à la rencontre de cet animal majestueux. O comme otarie de Steller. Bonjour Cathy, comment tu vas? Bonjour Guillaume, ça va, merci. Alors Cathy, tu es soigneuse animalière depuis combien de temps? Alors cela fait maintenant 30 ans que je travaille ici dans ce parc. Que tu t'occupes des otaries de Steller? Pas uniquement, j'ai eu l'occasion de pouvoir évoluer avec toutes les espèces que l'on peut trouver ici. Alors aujourd'hui, on va parler des otaries de Steller et comment ça, et pourquoi surtout s'appelle-t-elle ainsi? Alors, elle porte le nom d'un scientifique allemand, William Steller, qui les a découvertes en 1751 sur l'île de Bering. Est-ce qu'on peut les trouver près des plages, des côtes françaises métropolitaines? Alors, pas du tout. Il faut savoir que cette espèce peuple tout le Pacifique Nord, des côtes californiennes et d'Alaska jusqu'aux côtes japonaises. On va regarder ensemble une question. Quelle taille et poids font-elles en moyenne? Alors ça, c'est une question très très importante. Effectivement, elles sont immenses, ces otaries. Quel poids et quelle taille font-elles? Alors, il faut savoir qu'environ les femelles vont faire 1,50 m de long et peser jusqu'à 350 kg. Par contre, les mâles, c'est complètement disproportionné. Ils sont en mesure de faire 3 mètres de long et de peser jusqu'à 1 tonne. C'est-à-dire à peu près 30%. Voilà. 30%, c'est-à-dire que moi, si c'est comme si je faisais 100 kg et ma femme 30 kg. Voilà, c'est ça à peu près. Ah, quand même. Qu'est-ce que mange une otarie de Steller et surtout en quelle quantité? Voilà, elles se nourrissent essentiellement de poissons, mais aussi de céphalopodes, c'est-à-dire de seiches, de calmars, de pieuvres. Il faut savoir qu'elles sont aussi un petit peu opportunistes. Donc s'il leur arrive de pouvoir grignoter un phoque ou une petite otarie, elles le feront également. Elles mangent ici, dans le parc, environ entre 8 kg jusqu'à 30 kg chacune par jour. Voilà, cela va dépendre un petit peu de la période de l'année, de la saison, etc. On va regarder tout de suite une seconde question. Comment appelle-t-on le petit de l'otarie de Steller? Effectivement, comment s'appelle le petit de l'otarie de Steller? Alors, étonnamment, le bébé de l'otarie de Steller s'appelle le chiot. D'accord, comme le chien, mais voilà. Voilà. Combien de portées par an peut avoir une otarie de Steller? Normalement, une. Et combien d'animaux, combien de bébés peut avoir une otarie de Steller? Logiquement. Par portée? Logiquement, une aussi, mais... ça peut arriver qu'il y ait deux petits. Mais rarement. Voilà, rarement. On va regarder tout de suite une troisième question. Combien de dents possède une otarie de Steller? Alors ça, c'est une question à laquelle j'aurais pas pensé. Combien de dents ont une otarie, enfin des otaries de Steller? Alors, elles ont entre 34 et 38 dents. Voilà, d'accord. Des dents de très, très grande dimension. Hein. Elles ont l'air très très sales, c'est normal? Alors c'est normal, c'est... chez toutes les otaries c'est comme ça, elles ont une espèce de particule sur les dents qui fait qu'en effet elles n'ont pas une dentition ultra bright, hein. Elles ont les dents plutôt marron, brunes. Et... mais ça ne veut pas dire qu'elles sont malades? Non, pas du tout, pas du tout. C'est complètement naturel? C'est normal, c'est normal chez ces espèces, c'est tout à fait normal.
On regarde tout de suite une nouvelle question. Vit-elle en groupe ou seule ? Est-ce que l'otarie de Stellaire, Cathy, vit seule ou est-ce qu'elle vit en groupe ? Alors, il faut savoir qu'ils vivent en groupe. Et souvent, un mâle va avoir plusieurs femelles, ce que l'on appelle un harem. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Bah, un mâle va constituer son harem, c'est-à-dire qu'il va choisir plusieurs femelles et il va vivre avec ce petit groupe-là, il va se reproduire avec ces différentes femelles. Voilà. Et il y a souvent des interactions entre les mâles pour se battre, pour choisir une partenaire. D'accord. Et ils se battent jusqu'à mort ? Non. Il peut y avoir de très très grosses blessures. Ça peut arriver, vraiment ils ne se font pas de cadeaux. Hein. Avec les dents qu'ils ont, ils se font de très sévères blessures. D'accord. Merci beaucoup, on va regarder tout de suite une nouvelle question. Jusqu'à quelle profondeur peut-elle descendre ? Alors environ jusqu'à 300 mètres de profondeur. Il faut savoir aussi qu'elles peuvent rester en apnée pendant 8 minutes, c'est-à-dire retenir leur respiration et rester sous l'eau pendant 8 minutes, ce qui va leur permettre quand même d'avoir du temps pour chasser, pour se nourrir. C'est un mammifère marin ? Tout à fait. Il est classé dans les mammifères marins ? Oui, oui, oui. Alors, c'est bien sûr, il respire de l'air. Hein. Il a besoin, bien sûr, de remonter en surface régulièrement et de respirer de l'air. Voilà. Quel est son principal prédateur et est-ce une espèce menacée ? Cathy, quel est son principal prédateur et l'otarie de Stellaire est-elle une espèce menacée ? Alors, les principaux prédateurs de l'otarie, ça a été l'homme, également le requin, l'orque. Mm-hmm. La chasse, maintenant, il faut savoir qu'elle est très très rare. Et l'otarie de Stellaire, maintenant, est une espèce protégée, surtout donc au Canada et aux États-Unis. On va regarder tout de suite la dernière question. Pourquoi l'appelle-t-on également lion de mer ? Pourquoi appelle-t-on l'otarie de Stellaire également le lion de mer ? Alors, tout simplement parce que lorsque l'animal est sec, on va pouvoir découvrir une belle crinière autour du cou des mâles. D'accord. Voilà, donc ce qui est caractéristique du lion de mer. Alors justement, ça me permet d'enchaîner. Quelle est la différence entre une otarie de Stellaire et un morse ? Ah, le morse, je ne sais pas si vous vous souvenez que la morphologie que ça a également de très grandes défenses. L'otarie de Stellaire n'en a pas. Quelle est également par rapport à cette différence, la différence entre une otarie de Stellaire et son déplacement ? Le déplacement de l'otarie de Stellaire, ça paraît énorme quand on voit, quand on voit une otarie de Stellaire, on se dit comme ça, c'est pas possible, elle ne peut pas se déplacer, elle doit avoir beaucoup de difficultés, cardiaques aussi, peut-être, je ne sais pas. Alors qu'en fin de compte, quand on la voit se déplacer dans l'eau, elle a une certaine agilité, une certaine tranquillité. Donc quelle est cette différence entre cette otarie de Stellaire et ce morse, notamment d'un point de vue déplacement ? Alors l'otarie en général et l'otarie de Stellaire en particulier, malgré sa taille et son poids très imposant, est super à l'aise aussi bien sur la terre ferme que dans l'eau. C'est un animal qui va se déplacer très facilement en grimpant tout en haut des rochers. Vous aurez peut-être l'occasion de les voir tout à l'heure monter sans aucune difficulté. Dans l'eau, elles sont très agiles également, évidemment. Elles se déplacent en développant leurs deux nageoires avant appelées nageoires pectorales de haut en bas. On va dire que les nageoires avant vont servir d'aviron et les nageoires arrière vont servir de gouvernail pour changement de direction. D'accord. Voilà. Le morse, lui, il est beaucoup plus imposant encore et il va avoir plus de difficultés à se développer et à se déplacer sur la terre ferme. Il va un peu plus ramper, un peu comme une grosse limace, alors que l'otarie, elle s'appuie sur ses deux nageoires avant. Et elle peut courir, on dit, aussi vite qu'un homme sur la terre ferme. Ah justement, j'allais te demander quelle est la vitesse de pointe d'une otarie de Stellaire sur la terre ferme et dans l'eau. Elle peut aller aussi vite qu'un homme sur la terre ferme. Donc ça, c'est déjà assez exceptionnel. Donc attention, méfiez-vous. Et je vais terminer avec cette question. Ce sont des animaux, là, ils ont l'air imposants. Enfin, ils sont imposants, mais ils ont l'air quand même gentils. Est-ce que ce sont des animaux qu'on peut caresser ? Alors, on établit un très très bon relationnel avec ces animaux. On a énormément de complicité avec eux. Mais en effet, on ne peut pas rentrer dans leur territoire. Ce sont des animaux très territoriaux. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles d'animaux territoriaux pour les enfants qui nous regardent ?
C'est des animaux qui vont défendre leur espace de vie. Voilà. Donc en fait, ils évoluent ici, dans ces bassins, sur ces plateformes, et on ne peut pas décemment rentrer avec eux pour leur faire des gratouilles, alors que l'on peut le faire avec d'autres espèces d'otaries, style les californiennes ou les patagoniennes, qui sont déjà beaucoup plus petites en masse. Eux sont tout de même potentiellement, on va dire, dangereux de par leur masse et leur force. Merci beaucoup Cathy pour toutes ces informations des otaries de Stellaire. Bon, on vient d'apprendre que ces animaux étaient des animaux territoriaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire de câlins. Eh bien, moi, j'ai trouvé une solution différente. Regardez, j'embrasse les otaries de Stellaire. On en a encore appris des choses aujourd'hui. L'ABCDR revient très très vite.